Bonjour tout le monde. Il y a longtemps, j'attends la floraison des pavots rouges dans ces champs de blé. Lors de cette prise de vue, je vais utiliser la chambre grand format et un film instantané Fujifilm FP100C. Si vous ne connaissez pas, Fujifilm a arrêté sa production de ces color films instantanés. Il y a quelques temps, j'ai ouvert ma dernière boîte. Mon pack film est expiré en 2015. On verra ce que ça donne. La caméra, c'est une chambre grand format. Tout le fil 45A. C'est une chambre pliante, dite voyage. Je vais la fixer sur le trépied. Je vais la ouvrir. Je vais fixer mon objectif défocal 135 mm. 135 mm en grand format, c'est un équivalent de 38 mm en format 24-36. Pour obtenir la perspective normale, je garde l'avant et l'arrière de la chambre en position neutre. Je vais mesurer la lumière avec mon posémètre. Il y a beaucoup de vent et comme je préfère avoir les fleurs fixes, il faut augmenter la vitesse et ouvrir la diaphragme au maximum. Donc je mesure ISO. Nous avons ISO 100. Donc 5.6 à 1.500. C'est parfait parce que c'est le maximum possible avec mon objectif. La diaphragme 5.6, c'est ici. Et la vitesse 1.500, c'est ici. Je suis en train de faire mise au point précise. Voilà, c'est parfait. Et je bloque l'avant de chambre pour que ça bouge pas. Voici notre image à l'intérieur de la chambre. L'image est toujours l'inverse. Je ferme l'obturateur, j'arme et j'essaie une fois juste pour être sûr que ça marche. Et ça marche bien, j'arme encore une fois. C'est parfait. Maintenant, je vais insérer les deux polaroïdes tout doucement. Voilà. Et je vais retirer les volets de protection. Attention pour ne pas sortir. Et je déclenche. Je ferme les volets de protection avec toute attention. Et je sors les dents. Aujourd'hui, nous avons 25 degrés. Donc, il nous faut 90 secondes pour le développement. Je sors les films. Le film est parti. Je vais le cacher dans la partie de l'ombre pour ne pas trop exposer le soleil. Tout doucement, je détache les négatifs et les positifs. Vous voyez l'image qui apparaît. Ah, il est parfait. Voilà. Ah oui. Voici notre résultat. Grand avantage de ce film instantané, c'est qu'en même temps, on obtient et positif et les négatifs. Ces négatifs, je vais les laver et scanner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!